Salut à tous, c'est Mikaï. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apprendre tout ce que vous avez à faire cette semaine pour avoir le plus d'argent pour le futur DLC qui est normalement censé, d'après les rumeurs, arriver le 26 juillet. Donc, il va falloir de l'argent pour ça et j'ai quelques petites astuces aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez la suivre jusqu'à la fin. Avant de commencer, je rappelle juste que j'ai un Twitch qui est en description, vous pouvez le rejoindre, je live tous les jours dessus. Et j'ai un serveur Discord, si vous avez des questions à propos de GTA V ou juste que vous voulez savoir toutes les infos à propos de GTA V, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en description. Donc on va déjà commencer. Donc déjà, il y a des activités doublées qui étaient disponibles la semaine dernière et qui sont toujours disponibles. La vidéo de présentation de ces activités-là est en description, vous pourrez la retrouver en premier lien. Et il y a de nouvelles activités aujourd'hui qui sont en x2. Donc déjà on va commencer par la plus importante, c'est les contrats téléphoniques. Donc il y a un double GTA dollar ERP dans les contrats téléphoniques de Franklin. Donc pour débloquer ces contrats téléphoniques, il faut acheter l'agence, donc sur Maze Bank Foreclosure, et avoir déjà fait 3 contrats de sécurité. Quand vous aurez fait 3 contrats de sécurité, vous débloquerez les contrats par téléphone de Franklin. Donc vous allez dans votre téléphone, vous appelez Franklin directement. Et vous lui demandez un contrat par téléphone. Donc là, je me suis mis à un endroit juste ici où il y aura un petit endroit où vous pourrez avoir des appels. Hop, donc je vais répondre au téléphone. Vous aurez une petite cinématique. Voilà, il vous annonce une mission à faire. Et là, du coup, la juge. Donc on va aller directement faire cette mission. Donc vous en avez pas mal qui sont différents. Enfin, voilà, il y en a plein de différences. Donc c'est plutôt cool. Et vous allez d'ailleurs du coup gagner un x2$ et x2 RP. Déjà que ça donne énormément d'argent, ça peut vous donner à peu près 30-40 000 normalement. Donc là on pourrait atteindre vers les 80 000, même presque 100 000. Alors par contre, il va falloir faire un truc en plus, regardez juste ici, bonus d'assassinat en haut à gauche. Donc récupérer l'aimant de golf et éliminer la cible avec un club de golf. Donc ça, les bonus d'assassinat, si vous faites ce bonus, vous allez gagner beaucoup plus d'argent avec. Donc essayez toujours de le faire. Si vous vous souvenez plus, vous pouvez maintenir flèche de droite et vous pouvez directement voir juste là. Donc récupérer l'équipement de golf et éliminer la cible avec un club de golf. Donc on va aller directement au point jaune juste ici et on va de suite aller éliminer la cible. Donc maintenant que je suis allé chercher l'équipement, donc la tenue de golf et le club de golf, je vais directement me diriger vers la cible pour la tuer. Donc vu que vous avez différentes missions, il y a différents bonus d'assassinat. Exemple, vous en avez un où vous devez prendre le véhicule de la cible, aller à un Los Santos Custom, mettre une bombe et activer la bombe pour le tuer. Vous avez énormément de bonus d'assassinat avec énormément de missions. Donc vous allez voir que ça va être assez simple, vraiment les missions sont très simples. Donc ça va pas vous poser de problème. Moi je vais commencer par éliminer ces deux hommes, enfin ces trois hommes juste ici. Je vais pas essayer de tuer la cible. La cible, hop, je vais la tuer avec le club de golf comme c'est mis dans le bonus d'assassinat. Voilà, vous voyez en bas à gauche, vos bonus d'assassinat réussi. Donc ça, c'est nickel. On va directement quitter la zone et vous allez voir combien on va gagner d'argent. Ça va être incroyable. Donc c'est parti, j'ai pris mon véhicule, je vais quitter la zone. Et attention, regardez en haut à droite combien on va gagner d'argent. Si on va le plus loin possible. Ça va vite apparaître en haut à droite. Hop, vous voyez, 170 000 en 3 minutes. 3 minutes 15, 170 000. Donc vous voyez, paiement bonus, ça m'a donné 140 000. Donc vraiment, essayez à chaque fois de faire le bonus d'assassinat. Vous avez vu qu'en 3 minutes 15, je me suis fait 170 000 dollars. Et vous pouvez profiter de ça pendant 2 semaines. Donc vraiment, c'est vraiment incroyable. Profitez-en à fond. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein, c'est dans cette vidéo qui va vous faire gagner de l'argent. Mais déjà, juste ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, avec les contrats par téléphone, si pendant ces 2 semaines, vous en terminez 3, vous allez gagner plus tard un bonus de 100 000 dollars. Voilà, donc faites-en minimum 3 et vous allez déjà gagner au moins 300 000 dollars, plus un autre bonus de 100 000 dollars, ce qui va vous mettre très très bien pour le prochain DLC. Seconde chose que vous pouvez faire aussi. Donc il y a un gain triplé dans le mode rivalité, un paquet très convoité. Donc vous faites rejoindre activité, jouer activité, créé par Rockstar. Vous allez dans mode rivalité et vous cherchez du coup un paquet très convoité. Tac 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 tac. Un paquet très convoité. Voilà, vous en avez 4. Voilà, ils sont. C'est un bon mode rivalité. Le but c'est d'atteindre la zone de vos adversaires.
Il y a des armes qui sont mises à disposition donc pour vous stopper enfin pour vous stopper votre envie de marquer des buts. Vous avez jusqu'au 25 juillet, le mode rivalité gagne un triple de GTA Dollar et de RP pour toutes les personnes qui y participent. C'est un mode rivalité où ça se fight, c'est un bon mode de jeu, le but c'est juste de faire le plus de points. Vous allez dans une zone, vous faites des points, c'est très simple. Vous allez voir, ça va être. Si vous êtes fort en termes d'armement, en termes de bataille, ça va passer tranquillement. Donc voilà. Évidemment, il n'y a pas que ça. Ça, c'était les bonus qu'il y a cette semaine. Mais vous pouvez aussi faire un autre business. Dans la description, vous aurez une vidéo où je vous apprends comment recommencer le braquage de l'Union Depository que vous pouvez faire avec l'atelier auto. Ce braquage vous fait gagner 300 000 dollars à peu près toutes les 10 minutes. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en description. Vous allez savoir comment le relancer à l'infini pour vous faire des 300 000 dollars toutes les 10 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord où il y a eu toutes les infos que je viens de vous dire dans cette vidéo. Ceux qui étaient sur le Discord l'ont eu avant la vidéo. Donc rejoignez le Discord, vous aurez toutes les infos pile à l'heure. Et rejoignez le Twitch, je live tous les jours dessus. Si vous êtes fan de GTA, rejoignez le Twitch, c'est parfait, même d'autres jeux vidéo. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. Faites le plus d'argent possible et moi je vous dis à plus tard. Ciao ciao.